Bonjour à tous, bienvenue dans la quotidienne. On est ravis de vous retrouver. On vous accueille dans la cuisine aujourd'hui. Et toute cette semaine, on se mobilise pour l'association française du syndrome de Rett. Le syndrome de Rett, c'est une maladie très rare, une maladie génétique qui touche en particulier et presque exclusivement les petites filles et qui altèrent le développement cérébral. Et l'association est là pour notamment soutenir les parents. Ils organisent des stages de formation pour les parents dont les enfants sont atteints de ce syndrome. Et pour poursuivre leur mission, eh bien, aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Oui, parce que la recherche a permis de donner plus d'espérance de vie aux malades. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, elle permettra de guérir cette maladie. C'est pour ça que elle a besoin. Elle a besoin que vous, que nous tous, nous mobilisions, notamment à travers une semaine spéciale ensemble contre le syndrome de Rett. Elle aura lieu du 13 au 19 juin prochain 2016. Il y aura tout un tas d'événements solidaires organisés partout en France. C'est là que vous allez intervenir. On recherche 30 bénévoles pour pouvoir organiser l'ensemble de ces événements. Si vous avez des compétences en graphisme, en rédaction, en communication, c'est vrai que l'association recherche particulièrement ces profils-là, mais enfin, quel que soit votre profil, de toute façon, vous pourrez aider, donc vous pouvez vous mobiliser sur france5.fr ou par SMS au 41 555 en laissant bien, s'il vous plaît, votre nom et votre numéro de téléphone pour que l'association puisse vous recontacter. Je rappelle qu'on est solidaire toute la semaine avec l'association française du syndrome de Rett qui lutte contre cette maladie qui touche presque exclusivement des petites filles et qui altère le développement cérébral. L'association a besoin de bénévoles toute l'année, mais en particulier pour préparer une opération qui aura lieu du 13 au 19 juin prochain pour organiser des événements partout en France. Si vous avez un petit peu de temps libre, vous pouvez vous porter candidat sur france5.fr ou par SMS au 41 555. On recherche 30 bénévoles d'ici vendredi, alors il faut se mobiliser.